Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Coucou Evelyne, la prom ce aujourd'hui. Bienvenue Abel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement, de me faire un petit coucou. Je m'assure que tout fonctionne correctement. Bonjour, bonjour. Alors, Evelyne, comme tu es là, est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien et si tout fonctionne? Bonjour Viviane, ça y est, ça a l'air de vouloir fonctionner. J'espère que vous allez bien en ce 14 juillet. Pour celles et ceux qui sont en vacances, j'espère que vous en profitez. Coucou l'autre Viviane, bonjour Nathalie, Laurence, coucou ma bichette. Mais souris toi! Lily fait une Bonjour. petite apparition. Bonjour. Toujours aussi timide. Evelyne, tout, on m'entend bien, tout fonctionne. Génial. Super. Bien, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que le dernier live était il y a une éternité. Pff, ça passe tellement vite, c'est incroyable. Lily savait que j'allais me trouver un petit peu seule aujourd'hui, donc Mathis, je vais venir un petit peu avec toi. Bonjour Andrea, comment ça va? Hello coucou, Coco. Pff, ah bah ça commence bien. Ça va Laurence? Oui, et les fous rires aussi, oui. Bah ça c'est pas sur commande, hein, mais ne me cherche pas sur la table du salon. Non, effectivement. Martine te dit bonjour Lily. Merci. Salut Jérôme. Y a pas, non, elle n'est pas là. Hein. Sandrine, elle n'est pas là-bas. Bonjour Marie-Christine, comment ça va? Bonjour Martine, je vois qu'il y a plein de monde aujourd'hui. Peut-être des nouvelles personnes, alors n'hésitez pas surtout à me faire un petit coucou. Bonjour Marie-Thérèse, ça va bien et toi? Voilà, donc tout le monde a l'air de se connecter tranquillement. Je vais en profiter pour vous rappeler qu'aujourd'hui nous réalisons ensemble une carte que j'ai appelée cache-cache. J'avais pas trop pop-up, cache-cache, bon voilà, je trouvais ça assez sympa. Vous allez voir, c'est très très facile à réaliser. On va faire ça tranquillement et puis on peut encore une fois adapter à tous les événements. Bonjour Christine, coucou Cécilia. Cécilia, tu fais coucou aussi ma chérie. Là. Ah, bonjour. Voilà, donc vous allez voir, ça va être très très simple. Il pleut à Saint-Omer. Oui, ça, j'avais bien cru comprendre que c'était un peu compliqué. Oui, c'est Mais oui, voilà, nous, c'est pareil. On a même la rivière qui est en crue, donc c'est un peu compliqué. Un peu tristoun. Bonjour Nathalie, coucou Fatou, ça va et toi? Donc voilà, écoutez, hein, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc on fait avec, on garde le sourire, on positive. Forcément, on va avoir des jours meilleurs très bientôt. Donc, on tient le coup et puis en attendant, eh ben, on a le plaisir de se retrouver cet après-midi pour notre petite bulle créative et puis oublier tout ce qui se passe autour et juste passer un bon moment ensemble. J'espère que ce programme va vous plaire, mais j'en suis convaincue. Alors, vous avez l'air d'être bien connectés, tout le monde a l'air d'être là, donc c'est super. On va pouvoir commencer. Je vous rappelle avant toute chose. Pas de pluie, Nathalie, c'est déjà ça. Oui, effectivement, le vent, c'est pas toujours agréable non plus, mais bon, ça va pousser les nuages et du coup, le soleil va arriver, tu vas voir. Oh, Sandrine dit qu'on est son petit rayon de soleil, t'es trop mignonne. Ah, bah, Cécilia, j'espère que tu vas pouvoir en profiter et que tu vas avoir bientôt un grand soleil pour tes vacances. Au moins, tu as un petit dépaysement, c'est déjà ça. Donc n'oubliez pas surtout en ce moment, vous le savez, hein, jusqu'au 2 août, coucou Monique, ça va ma belle? Jusqu'au 2 août, vous avez la promotion sur les papiers design. Surtout ne passez pas à côté. C'est vrai que pour coucou Sandrine, bienvenue. Par exemple, si vous voulez faire des albums ou si vous avez un lot de papier qui est un vrai coup de cœur, le fait de pouvoir faire des réserves à moins 15%. C'est plutôt pas mal. Donc la promo a commencé le 1er juillet et donc elle se terminera le 2 août. Donc tout simplement, vous vous rendez sur ma boutique en ligne. Selon le montant de votre commande, vous le savez,
Vous pouvez utiliser le code Hôtesse qui vous permettra de recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Voilà, donc en général les petits cadeaux plaisent, enfin je crois, j'ai toujours des retours qui sont absolument adorables, donc c'est un vrai bonheur. Coucou ma Fabienne. Oui, c'est un amour. Il y a Fabienne qui te fait coucou et qui te remercie de me soutenir. Coucou Laurence, bonjour Virginie. Oui, exactement, merci Sandrine. Les papiers donc en promo et nous avons la chance d'avoir, ça y est, enfin les flocons de dorure qui sont, ça y est, de nouveau en stock. Vous savez, je vous les avais présentés il y a quelques temps. Bonjour Christelle, bienvenue. Les fameux petits flocons de dorure qui permettent de donner un magnifique côté brillant à nos créations. Donc ça y est, les stocks sont de retour, n'hésitez pas. Voilà, vous avez deux arguments, deux excuses pour pouvoir vous faire plaisir et en profiter. Bonjour Aude, comment ça va? Atchoum. Non, pas Atchoum dans le flacon de dorure. Ça va pas le faire. C'est une vraie cata après. Merci. Oui, Fatou. Oui, c'est son petit délire d'hier. Beaucoup, beaucoup de pluie. Elle s'ennuyait un petit peu. Donc, elle a demandé à sa sœur de lui faire des petites tresques. Elle était en joie d'ailleurs. Oh, il y en a une cinquantaine à peu près. C'est ça, hein? 45. 45 tresses. T'avais compté celle de devant aussi? Oui. Ouais, bah voilà. 45 tresses. Sur la tignasse, ça va être sympa à défaire. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des petites nattes de Lily. On est là, c'est gentil Fatou, merci. Pour réaliser donc une petite carte, je vais retourner la caméra, on va pouvoir commencer. Vous avez eu donc dans la fiche de l'événement la liste du matériel dont vous aviez besoin, pardon. Mais vous le savez... À la fin du live, vous retrouvez systématiquement le replay de la vidéo, la fiche technique qui est toujours très claire. Vous avez les explications, les mesures, les schémas. Du coup, vous avez un super combo à la fin du live sur mon blog harmoniescraft.fr où vous retrouvez les photos, la fiche technique, le replay du live et également la liste de tous les produits en fait que j'ai utilisés pour les différentes versions de la création que je vous propose chaque semaine. Donc vous avez un super combo pour pouvoir faire et refaire si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise tout simplement pour réaliser la création en live parce que vous n'avez pas eu le temps de préparer les papiers ou vous avez raté une étape. Ou voilà. Donc, pas d'inquiétude. L'essentiel surtout, c'est de passer un bon moment, d'en profiter, peut-être d'apprendre des petites astuces et puis voilà. Coucou Béatrice, bonjour Kikiren. Alors, hop, on va basculer la caméra et du coup, vous avez maintenant à l'image la carte que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est la carte que j'avais utilisée pour la présentation de l'événement. Bonjour Catherine, comment ça va? Bienvenue. Donc, pour la présentation de l'événement, cette carte a été réalisée, bien sûr, vous le savez, vous la connaissez maintenant avec la collection Croquis du Jardin, qui est absolument magnifique, entre les papiers design, les découpes, les tamponnages, un vrai bonheur cette collection. Et donc la carte, vous voyez, comme ceci, je vais hop, vous montrer un petit peu plus en détail la découpe. Voilà, elle est vraiment superbe, donc la découpe en papier ici, avec le contour en papier vélin derrière, vraiment trop beau. Et en ce qui concerne donc l'ouverture, coucou Flo! Toujours un plaisir de refaire un replay. Merci Sandrine, c'est trop gentil. Donc hop, elle s'ouvre comme ceci et hop là, voilà. On a le message qui se dévoile ici à l'ouverture. Donc vraiment hyper simple et puis on a le petit message qui sort comme ça, pouf, comme par magie. Et donc on le rentre après comme ceci. Coucou Isabelle. Oui, bah oui, je sais bien, c'est un peu partout le bazar, ou alors il faut vraiment habiter dans le sud pour avoir droit au soleil, mais je crois que si j'ai bien compris, ils ont aussi beaucoup de vent. Donc voilà, on fait avec. Hein. Merci Flo, c'est très gentil. Alors, bien, c'est parti, je vous affiche à l'écran, voilà, ici, les mesures des papiers dont vous avez besoin, d'accord ?
Je vais les laisser un petit moment pour que vous ayez, oula, pour que vous ayez le temps de faire le point. Merci Sandrine, je suis contente que ça te plaise du coup. Aujourd'hui, je vais évidemment changer de collection et j'ai décidé de travailler avec une collection qu'on ne voit pas beaucoup en fait sur les réseaux. Et moi, c'est une collection que j'aime beaucoup. Je ne saurais expliquer pourquoi. Peut-être par ses couleurs par exemple, qui sont vraiment très sympas. Ou également les tamponnages aussi, les sentiments qui sont vraiment sympas, je trouve. Alors, c'est parti, je vous montre. Donc, ça sera avec Jolie Symétrie. Voilà, c'est une collection du catalogue annuel. Très colorée, plein de couleurs différentes. Ah, bah super, Flo, je suis contente que ça te plaise. Différents aspects, des motifs un peu différents, un peu fleuris, mais pas uniquement. Avec quelques formes comme ça. Alors, je vous le zoome un petit peu. Sur cette présentation, vous avez les papiers qui sont présentés en recto-verso. Donc, toujours par deux, évidemment, recto-verso. Et donc, c'est ainsi sur tous ces tableaux. Donc, vraiment très, très jolie couleur. Et bien sûr, vous avez les papiers unis qui sont coordonnés. Donc, on a là Beau Bourdon, Bleu Nuit, Corail Calypso, Flamant Fougueux et Juste Jade. Voilà, comme ça vous avez la totale, vous savez quel papier uni utiliser. Coucou Yvette, comment ça va? Nathalie, c'est avec cette collection que tu travailles? Ah bah dis donc, écoute, le hasard fait bien les choses. On va voir si on a pris le même papier. Mystère. Merci Martine, oui, c'est vrai que les couleurs sont vraiment très très jolies. Oui Sandrine, c'est vrai qu'on la voit très peu cette collection, mais j'ai déjà fait quelques créations avec et moi je l'aime beaucoup. Vraiment, je trouve qu'elle fait vraiment très estivale. Et puis on a envie de couleurs. D'ailleurs, vous voyez, je me suis habillée pour l'occasion. Un petit peu de couleur flashy, je trouve que ça fait du bien au moral. En fait, c'est toujours comme ça, hein. C'est beaucoup dans la tête, on est d'accord, hein. Et donc vous le savez, donc il y a les papiers design bien sûr avec cette collection, et toujours en collection il y a les tampons bien sûr. Sandrine, je crois que Martine se moque de toi. Donc ici nous avons les tampons Corail Calypso, Juste Jade et les fleurs de ces deux couleurs presque. On va voir Nathalie, bouge pas. Donc là, ici, on a les différents tampons qui s'affichent. Ceux-là sont séparés, hein, d'accord? Ils sont en deux étapes, trois étapes même. On a d'abord les feuilles, on a la tige et on a la fleur. Donc, c'est en trois étapes. Coucou Christelle, comment ça va ma belle? En forme aujourd'hui? Ici, on a une très belle fleur qui rappelle, hein, bien sûr, le papier design. Les autres feuilles ici, une petite fleur, un tout petit cœur qu'on ne voit pas toujours. Hein, on le rate souvent, en fait, dans le set de tampons. Ici, nous avons les petites branchettes qui sont très jolies. Et puis cette fois, ce ne sont pas des poinçons, mais en fait, c'est une perforatrice avec ici les petites feuilles. Bougez pas. Hop, voilà. Donc, qui perfore les deux petites feuilles. Donc, très sympa. Et puis, les sentiments. J'aime particulièrement, en fait, ces sentiments. J'aime beaucoup la police d'écriture. Je trouve ça vraiment... très très classe en fait, j'aime beaucoup beaucoup. Des sentiments en français, vous voyez. Voilà, donc une super collection encore. Donc bien sûr, Jolie Symétrie, les papiers font partie de la promo actuelle. Hein. Merci ma Béatrice. Voilà, donc c'est avec ça que nous allons travailler aujourd'hui. Coucou ma routine! Gros bisous ma belle et gros bisous à tes choupettes. Baladez-vous bien les filles. Alors, c'est parti. On y va. Ma petite Lily, si jamais tu veux aller vaquer à tes occupations, je t'en prie. D'accord? Ton courage. À plus tard? Ouais. Alors, le papier uni. Donc, Nathalie, tu vois, je travaille avec le Juste Jade, déjà. Nous aussi, on t'embrasse, Naruti. Donc, trois morceaux de papier unis, d'accord? Donc, on a en fait la base de la carte,
On a ensuite le papier uni pour la partie intérieure. Et le dernier petit morceau de papier, en fait, va être, pardon, il n'y a pas de T, utilisé en fait pour le mécanisme intérieur. Oh, j'ai oublié Mamour. Gros bisous, Mamour. Pardon. Pour le mécanisme donc de l'ouverture, l'entrée et la sortie de la petite carte intérieure. Ok? Donc ça, ce sont les trois papiers unis déjà dans un premier temps pour la base complète de la carte. Pour la base, la grande base, vous avez besoin d'un morceau de papier qui mesure ici 19 cm par 12 cm. Ok, je vous rappelle que vous avez ici les mesures que je suis en train de vous énumérer. Et vous avez également ma très chère Sandrine qui est là et qui pourra aussi vous indiquer les mesures si jamais ce qui est ici et ce que je vous énonce ne vous suffit pas. Donc n'hésitez pas. Le deuxième morceau de papier uni, lui, mesure 16 cm par 8 cm. Et le petit morceau de papier qui va servir donc pour le mécanisme mesure, lui, 5 par 5. On est donc bien sur un carré 5 par 5. Ok, c'est bon pour vous? Coucou Pascal, comment tu vas? Contente que tu sois là, ça y est, t'es enfin en vacances avec ta pièce tranquille. J'espère que tes parents font bien et que tu vas pouvoir scraper tranquille. Donc voilà, on a fait le tour des papiers unis. Maintenant, nous allons nous attaquer eh bien, à la partie où il faut faire nos plis. Donc vous allez voir, il n'en faut pas énormément, ça va être très rapide. Alors, je vais positionner ça de manière à ce que vous ayez tout à l'écran. Voilà, ça me paraît pas mal. Pascal, t'es prête? Bon, bah super. Donc, je vais prendre la base de cartes de 19 par 12 et je vais faire trois plis. Je vais positionner le bord long ici et je viens faire un premier pli à 8 cm. Hop, donc 8 cm. Les deux autres plis vont être faits donc à la verticale, donc je vais retourner mon papier. Pour plus de facilité, pour mieux tenir en fait mon papier sur mon massicot, je vais me servir ici des mesures qui sont sur la droite. D'accord? Vous pouvez, vous, si vous préférez, faire dans l'autre sens. En fait, l'histoire, c'est simplement de venir faire un pli à 1 cm ici, donc de la droite vers la gauche, et un pli de 1 cm ici, de la gauche vers la droite. Donc vous voyez ce qui est le plus pratique pour vous. Donc là, je viens me positionner ici. Voilà. Et je fais mon pli à 1 cm. Et du coup, comme là, je sens que je le tiens mieux, je le retourne. Et je viens également faire mon pli à 1 cm. Voilà. Ça, ce sont les seuls plis dont on a besoin pour la base de carte. Je le mets de côté, je vais faire les plis sur les autres morceaux de papier uni. Et puis ensuite, on avancera avec les petites découpes que nous avons à faire. Je prends maintenant le morceau de papier qui mesure 16 par 8. C'est la petite carte, je vous rappelle, qui sort de notre carte ici. Voilà, c'est celle-ci. D'accord? 16 par 8 cm. Et simplement sur ce morceau-là, je viens faire donc sur le bord long un pli à 7 cm. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. On a notre petite carte qui viendra comme ceci. Je la mets également de côté et je viens prendre mon petit carré de 5 par 5 pour mon mécanisme et je viens faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire un pli à 1 cm d'un côté et de l'autre. Des plis parallèles en fait, à 1 cm. Donc même principe, là, vous voyez, mon morceau de papier est encore plus petit. Donc vraiment, moi qui suis droitière, je maintiens mon papier de la main gauche. Donc j'ai plus de facilité, hop, à bien tenir mon papier comme ceci. Et je fais mon pli à 1 cm. Je retourne pour faire l'autre pli parallèle à 1 cm également. Coucou Héloïse, ça va ma belle?
En forme aujourd'hui? Voilà. Hop, je mets ça de côté. Et maintenant, je vais donc m'attaquer au pli et à la petite découpe que j'aurai à faire ici. Donc, pour que vous voyez un petit peu mieux à l'image, je vais marquer mes plis. Merci, Héloïse. Bon 14 juillet à toi aussi, ma belle. Je marque les plis. Voilà. Comme ça permet de voir un petit peu mieux. Bien. Donc, on se retrouve avec cette base de cartes, vous voyez, hop, avec les plis que nous venons de faire. Donc, le pli que nous avons fait ici à 8 cm, ça veut dire que vous avez la partie la plus courte ici. D'accord? Je vais prendre un crayon pour vous montrer. Nous allons simplement venir nous séparer. Alors, Christelle, oui, bien sûr, les plis sur le grand morceau. Le pli sur le grand morceau est à 8 cm ici. Et les deux ici, 1 cm de chaque côté. D'accord? Donc, 8 cm et 1 cm de chaque côté, Christelle. Pour celui-ci, le 16 par 8, le pli est à 7 cm. D'accord? Et pour le carré, 1 cm en parallèle. Ok? C'est bon? Donc, grand morceau, pli à 8. Puis 1 cm à gauche et à droite. Morceau de 16 par 8, le pli est à 7 cm. Et le mécanisme, 1 cm en parallèle. Ok, donc je reprends ma grande base. Et je vous disais donc, vous avez la partie la plus courte qui est en haut. Ça marche? Et en fait, le principe simplement va être de venir se séparer du pli ici que nous avons fait. Ça, hop, je vais vous rapprocher, on va le couper. D'accord? Donc on a le pli ici qui est là, et ici et là, on va venir couper. D'accord? On va se retrouver quasiment en fait avec un début de pochette ici pour la base de la carte. D'accord? C'est dedans que rentrera notre petite carte dans laquelle contiendra notre message. Ok? Donc, je prends mes ciseaux. J'espère que vous avez bien vu à l'image. Ce que je peux vous proposer, hop, ne bougez pas. J'aurais dû y penser, regardez. Voilà. Vous avez ici, donc, à l'écran, donc les plis, c'est ce que nous venons de faire, les pointillés en vert. Voilà, vous avez la base la plus courte qui est sur la gauche, que je vous ai présentée vers le haut. Et les traits rouges, bien sûr, vont être, enfin, correspondent en fait à la découpe. N'oubliez pas, sur le schéma, vous avez la légende en haut à droite. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous donne une idée. Alors, c'est parti, je viens couper ici. Ça y est, c'est bon pour tout le monde? Tout le monde a bien vu, j'espère. Et là, en fait, je vais couper. Oh, merci ma Flo, t'es trop mignonne. Je viens couper en biseau, en fait, vous voyez, ici, sur le pli qui nous reste, pour faciliter le pliage et le collage ensuite. Je fais pareil ici. Et même principe sur ma gauche. Voilà. Et je viens couper en biseau. Zou. Et ici, hop, également. Voilà. Donc concrètement, on se retrouve avec un morceau comme ceci. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. J'espère que les personnes qui me rejoignent ici pour la première fois, j'espère que vous passez un bon moment.
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, vos questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit pendant le live, soit après s'il y a besoin. Alors voilà, on se retrouve ici avec notre carte qui viendra comme ceci et on va ici mettre la petite carte à l'intérieur avec le mécanisme. Ça marche ? On continue. Ici, bon, écoutez, tout simplement, on vient marquer le pli de notre petite carte. Voilà. Hop. Donc, elle viendra comme ça se cacher à l'intérieur et on sortira ça. Oula, je suis un peu haute, pardon. Ici. OK ? Et là, on va aussi parler de ce petit mécanisme. Mais avant cela, nous avons quelques morceaux de papier design à coller d'abord. Donc, nous allons prendre ici notre base de cartes et y coller tout simplement un morceau de papier, enfin deux en fait, un papier de matage et un papier design. Le papier matage, alors ça je l'ai déjà collé pour gagner un petit peu de temps, donc mon papier matage sera mon papier blanc et celui-ci mesure 5 par 9,5. 5 par 9,5 pour le papier de matage. Ok ? Le papier design, tout simplement, lui mesure 4,5 par 9. Vous le savez, on enlève toujours 0,5. Oui, Héloïse, pas de souci. Voici la carte de départ. Hop, qui sort comme ceci. Voilà. Voilà, ma belle. Donc, le papier design, évidemment, vous vous en doutez, on le colle sur le papier de matage. Et on va venir, donc, le coller sur la partie droite, ici, de notre base de carte. Donc, sur ma carte, ici, c'est ici, là. Vous voyez ? Donc, tout simplement, je viens coller ça. Comme à chaque fois que je suis en live, j'ai un chat dans la gorge. Hop, je viens coller tout ça. Voilà. Donc ça laissera apparaître, en fait, quand la carte est fermée, un petit peu de papier design ici. Bon, vous voyez, quand elle est fermée, on voit ici apparaître. Merci Christelle. Ok. Ensuite, nous allons venir ici nous occuper de cette déco. Ici, vous pouvez soit laisser en uni, soit mettre du papier design. C'est comme vous voulez. Donc, ici, je vais mettre simplement un petit morceau de papier design qui va rappeler celui-ci, dont j'ai complètement oublié les mesures. Alors, donnez-moi 3 secondes. Ah oui, qui mesure 6,5 par 7,5. 6,5 par 7,5. Voilà. C'est en fait la même mesure que l'intérieur. Vilain petit chat, ouais, je suis d'accord Christelle. Il n'est pas gentil avec moi, il m'en veut à chaque fois. Chaque semaine, c'est pareil. 6,5 par 7,5. Hop, et je viens décorer tout simplement ma petite carte. Ça ne se voit pas énormément quand on ouvre, mais vous voyez, juste un petit peu comme ça. Hop, 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 on l'aperçoit. Et voilà. Ok ? Donc ça, c'est bon. Ici, eh bien, c'est là où nous allons écrire notre petit message. Donc j'ai choisi d'y mettre du papier blanc. Pour cela, j'ai ce morceau qui mesure, pareil, en fait tout simplement la même dimension que celui-ci, 7,5 par 6,5. Garfield sort de ce corps. C'est pas faux. Donc le morceau de papier blanc ici que j'ai déjà tamponné, bah, tout simplement hein, à l'aide des tampons du set de tampons de la collection. Merci mille fois, vraiment, j'aime beaucoup avec les petites fleurs. En corail calypso, Nathalie. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Tout simplement. Vous pouvez aussi décider de le laisser tout blanc hein, si vous avez un long message à écrire au ou à la destinataire. Le second morceau de papier blanc qui va venir ici mesure 8,5 par 7,5. 8,5. Par 7,5. Oui, Andrea, tu as raison.
Je devrais y penser à chaque fois, mais une fois sur deux, j'oublie de prendre mon petit verre d'eau avec moi. Hop, voilà. 8 et demi par 7 et demi. Voilà, donc là, ça y est, on a notre petite carte qui va, donc je vous le rappelle, ici, et qui va sortir pour s'ouvrir. Alors, maintenant, il s'agit de venir donc positionner notre morceau de papier de 5 par 5 qui va nous servir de mécanisme. Donc là, on marque bien les plis déjà dans un premier temps. Vous allez voir, c'est très simple. Je l'ai plié, hop, comme ceci. Un petit peu en accordéon. Un grand accordéon, hein, je suis d'accord. Ok. Alors, il est positionné comme ceci. Il fait toujours 5 par 5. Et nous allons venir coller une partie ici. Donc, on a notre morceau de papier qui mesure 16 par 8. D'accord? Notre carte est fermée. Et nous allons venir un Z. Merci Flo. Nous allons venir coller notre mécanisme ici. D'accord? Donc vous voyez, on a la vallée. Et on va venir le coller ici, tout simplement, dans un premier temps. Ça marche pour vous? Hop. On vient coller comme ça. Donc, sachant que notre largeur ici fait 8, que notre papier fait 5, si on veut être sûr de le poser bien au centre, nous venons faire une petite marque de chaque côté à 1,5 cm. Voilà, c'est juste histoire de se dire qu'on le colle bien au centre. Donc, 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. OK? Et donc là, bah, tout simplement, donc j'ai ma vallée ici. Je vais venir le positionner, hop, juste au bord comme ceci. Ça, c'est la première étape. On y va. Je viens coller. Voilà. Colle ou double face comme on souhaite. Et je viens le coller. Hop. On laisse un demi-millimètre par rapport à l'ouverture de la carte pour pas être bloqué. Voilà, l'avantage de la colle, c'est que là, j'étais pas droite, donc je peux repositionner. Voilà. Donc là, c'est la première étape, vous voyez. J'ai hop mon Z comme ceci qui est collé. OK? Alors, ensuite, on va reprendre notre base de cartes. Voilà. On va la positionner plus ou moins comme ça pour savoir, en fait, puisque nous allons devoir plier, coller, pardon, ce petit pli ici, d'accord, qui va être collé sur cette partie-là de la carte, d'accord, pour nous permettre de sortir celle-ci ici. OK? J'espère être clair pour tout le monde. Donc, pour savoir à peu près où positionner ce pli pour pouvoir le coller ici au bon endroit, la petite astuce, en fait, tout simplement, va être de positionner donc cette carte sur notre balle, de refermer ici. Voilà, donc ici, bien sûr, on va centrer. Voilà. Comme ceci. Et nous allons nous arrêter en fait juste au bord de ce mécanisme-là. D'accord? Donc notre pli là est à plat. Je rabats cette partie-là et je m'assure en fait que elle est juste au bord du pli du mécanisme. D'accord? C'est ainsi que tout sera rentrera correctement. Je suis confuse. Voilà. Donc, ça va venir comme ceci. Donc là, on s'assure que tout soit bien droit. Voilà. On ajuste.
Donc, cette base-là, juste au bord, pour cacher juste la délimitation du pli, donc du mécanisme. Ok, est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à me dire avant que j'avance et que je colle. Du coup, je ne pourrai plus l'ouvrir après. Donc, si vous avez un doute, c'est le moment. Une fois que j'aurai collé, je ne pourrai plus réouvrir. Donc, ça sera plus délicat de vous remontrer ce qui doit être collé ou pas et à quel endroit. Donc, hop, je vois des petits pouces bleus qui se lèvent. Donc, c'est que ça doit aller. Ça doit être pas mal. Les commentaires ont beaucoup de mal à arriver aujourd'hui. Hein, ça doit être la météo qui fait encore des siennes. Encore un petit pouce bleu, donc ça doit être correct pour tout le monde. Ok. Merci Coco pour les petits cœurs. Ça c'est gentil, tout plein. Hop, je vérifie en même temps hein, si jamais j'ai vos commentaires qui arrivent, mais a priori je n'en ai pas. Donc du coup, ça va me permettre de pouvoir coller. Ok, bien, ça a l'air bon, donc c'est parfait. Donc je m'assure une nouvelle fois, hop, voilà, que tout soit bien droit. Oh. J'aime bien voir tous vos petits cœurs et vos petits pouces. Hop, voilà, ça c'est ok. Donc c'est bon, je viens coller, je mets la colle sur mon pli. Encore une fois, colle ou double face, peu importe. Voilà. J'avais pas vu l'histoire de l'assistance. Lily est partie, je sais pas où, dans sa chambre, sûrement, elle est trop loin. Je vais pas lui crier apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Et effectivement, Sandrine, t'es un peu loin. Je serais ou noyée ou totalement déshydratée le temps que tu arrives. Ça, c'est certain. Voilà, donc là, ça y est, hop, ça va venir. Comme ceci. Alors Andrea, j'utilise la colle Tombow qui est donc vendue, oups, chez Stampin' Up. Voilà. Et elle colle super bien. Elle tient très bien et elle est repositionnable quelques secondes. Donc c'est vraiment idéal pour travailler avec. Voilà. Donc ça va venir comme ceci. Vous voyez, hop, et je vais pouvoir ensuite. Hop là, ça va être magique. Ok? Alors, ensuite, l'autre étape. Vous allez vous assurer, d'accord, que ici, vos plis tombent bien. Si jamais, et ça peut arriver, vos plis ici sont un tout petit peu plus larges, vraiment ce n'est pas grave, vous venez vous séparer d'un petit millimètre ici de la languette. Voilà, comme ça, vous serez tranquille et vous ne serez pas embêté. Hop, pour le mécanisme. Parfois, ça se joue à vraiment rien du tout, un cheveu. Mais parfois, un cheveu peut nous embêter. Donc, hop, voilà. Tranquillement, vous voyez, j'ai pas enlevé grand-chose, hein, c'est un tout petit bout. Voilà, comme ça, là, je suis tranquille. Vous voyez, ça ne dépasse pas, ça ne se chevauche pas. Hop. Ok. Voilà. Et donc, on va simplement venir coller nos petites languettes ici. Ah, super. Merci Sandrine. Andrea, Sandrine vous indique. Ou t'indique, d'ailleurs, je ne sais plus si on se tutoie ou si on se vouvoie. La page 167 du catalogue, si vous ne l'avez pas. Et si vous n'avez pas le catalogue, je peux aussi vous l'envoyer. Oh là là, ça, c'est bon. Et on vient coller, hop, les petites languettes sur le côté.
Voilà. Ben, en gros, on a fini la plus grosse partie de la carte. Oh, Jérôme, je vais te tuer. C'est maintenant que tu demandes de quel côté j'ai collé mon Z? Intérieur ou extérieur? Intérieur ou extérieur de quoi? En fait, ton Z, il est collé sur cette face-là. Tu le mets à plat. Donc, tu avais la vallée qui était collée sur la petite carte. OK? Et ensuite, tu positionnes donc ta carte. Et ton autre partie de Z est à plat. Et ensuite, tu vas rabattre. Je sais pas si je suis claire. Bon, si tu as besoin, après, je te ferai. Je redécouperai un papier et puis je t'enverrai une photo. Ouais, le second, il est à plat. Donc, sur le dessus. Ton pli est à plat, tu colles le dessus et ensuite tu rabats, hop, cette partie-là. Ok? Ça marche. Donc là, ça y est, on a le plus gros de notre carte qui est fait. Alors, pour la déco, j'avais déjà préparé à l'avance. Alors, Andrea, oui, bien sûr, avec grand plaisir pour le catalogue. Je vous enverrai l'annuel et le mini en même temps. Ok, donc il pourra partir demain. J'ai juste besoin à la fin du live que vous m'envoyiez vos coordonnées. Voilà, juste votre adresse postale, etc. Pour que je puisse vous envoyer les catalogues. Ça marche? Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Donc, ici, je viens coller un morceau de papier de mattage, bien sûr. 9,5 par 7,5. Donc, 9,5 par 7,5. Ok, ça va venir ici. Et le morceau de papier design qui mesure, bien sûr, 9 par 7. Ok? Et je vais venir le coller ici. Et donc, je vais quand même vous montrer. J'ai bien sûr déjà tamponné donc ma déco, donc avec la fleur, etc., que j'ai utilisée et que j'ai pris donc du set de tampons. Jolie symétrie, bien sûr, pour que tout soit coordonné. C'est aussi ce qu'on aime hein, chez Stampin' Up, c'est que tout est coordonné, donc tout va ensemble, c'est vraiment le top, on a tout sous la main. Et puis, j'ai un tout petit peu triché, j'ai pris ici donc la découpe étiquette et le sentiment, qui était très petit, que j'aimais beaucoup, qui fait partie de la collection Cueillette de pêche. Nathalie, je ne sais pas, peut-être dans les commentaires, je ne sais pas du tout, Nathalie, comment ça se présente pour vous à l'image, les étoiles. En tout cas, merci beaucoup, sinon c'est pas grave, hein, il n'y a aucun problème. Donc voilà, et du coup, donc j'ai tamponné la partie de la fleur, la tige, les feuilles, et puis ensuite j'ai simplement détouré ici au ciseau. C'est très simple à faire puisque les bords sont quand même très lisses, donc vraiment aucun problème. Et puis une découpe de cercle en dessous pour faire ressortir un petit peu qu'il y a un contraste en fait entre le papier design et le tamponnage. Voilà. Et donc tout simplement, on vient ici positionner notre déco. Hop, voilà. Comme ceci. Donc là, amusez-vous avec votre déco, avec vos tamponnages, vos découpes. Éclatez-vous avec ça. Hop. Voilà. Alors vous voyez, votre carte pourrait rester telle quelle. Aucun problème, ça fonctionne très très bien. Vous voyez, hop, on peut attraper. Attendez, je vais refermer ça 2 secondes. Voilà, on attrape notre petite carte ici et puis on la sort. Hop et hop. Magique. D'accord? Si jamais vous voulez faire comme ce que j'avais fait ici, voilà, vous voyez, j'ai rajouté en fait enfin 2 cercles, tout simplement, pour attraper encore mieux et faciliter d'abord la préhension de la carte et ensuite pour la ressortir. Ok? Comme ceci. J'ai simplement rajouté donc un cercle blanc. Et un cercle de papier design dans le même ton que ce que j'ai pris pour la carte. Ici, mon cercle blanc mesure à peu près 5 cm de diamètre. Ok? Je colle
cercle un petit peu plus petit dessus. Et je vais venir en fait le coller ici de moitié à l'arrière de cette carte-ci. Ça, c'est un choix vraiment. Vous faites exactement comme vous voulez. Donc, par contre, on fait bien attention de le centrer. Voilà, on le positionne à l'avance. Et du coup, on n'a plus qu'à venir le coller. Hop. Donc, par le dessus. Voilà. Donc, on s'assure que tout soit droit. Mon papier quadrillé m'aide beaucoup pour ce genre de choses. Voilà. Comme ça, hop. Ça sortira un petit peu, ça sera top. Voilà, on fait attention, on attend quelques secondes hein, que la colle prenne bien avant de tout remanipuler d'un seul coup pour pas que, pouf, tout disparaisse. Ça serait quand même dommage. Voilà, donc là, on a quand même de quoi mettre un suffisamment... de place, pardon, pour mettre un message. Hop, on a le côté magique. Vous pouvez même en rajouter un ici, hein, un sentiment. Hop, et on rentre tout ça délicatement. Voilà. Et nous avons donc notre petite carte cache-cache qui est terminée. Donc, une couleur plus pastel et une colère un petit peu plus marquée. Deux univers un petit peu différents, mais que je trouve assez sympa. J'ai hâte de vous montrer la troisième version. Vous verrez ça vendredi du coup. Alors, je vais descendre ça un petit peu du coup pour que vous voyez mieux. Voilà, nous avons les deux versions. Donc, croquis du jardin, jolie symétrie. Je vous remonte l'ouverture. Hop, voilà. Ici, on a le message. Oui, ça décore un petit peu Fabienne, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, voilà, la seconde. Hop. Le second message. Hop. Voilà, voilà, les deux versions sont faites. Je reviens vers vous. J'espère sincèrement... Oh, ma routine, t'es toujours là, cool. J'espère que ce nouveau live vous a plu. Que vous avez passé un bon moment. Merci Lynn, merci Sandrine, merci Christelle, merci Fatou. Je suis super contente que ça vous ait plu. Oh Flo, c'est trop mignon. Les deux vous plaisent Martine? Merci pour vos explications. Je suis contente si j'ai été claire. Super. C'est toujours un peu compliqué. J'espère toujours que tout est clair à chaque fois. Surtout quand il y a un petit mécanisme comme ça. Bon là, il était quand même particulièrement simple, mais on peut vite s'embrouiller avec les plis. Donc là, j'espère que ça a été OK pour vous. Merci Jérôme, merci Evelyne, merci Héloïse. C'est super. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là un 14 juillet. Ça me fait très plaisir d'avoir pu vous retrouver. Merci Marie-Christine. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai été ravie de vous retrouver, que les cartes vous ont plu. Avec plaisir, Cécilia. Je suis toujours heureuse de vous retrouver. Oui, pas de souci, Nathalie. Ouais, ok. Premier là, regardez un jour férié, je t'aimerai. Merci de faire ce pas. Merci, Noisette. J'espère que vous avez passé un bon moment, du coup. Éloquence simple. Eh bien, Héloïse, si tu parles des portes ouvertes, c'est déjà fait, ma belle. Les portes ouvertes sur éloquence simple, elles ont déjà eu lieu, ma bichette. Je te redonnerai l'épisode. Catherine, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Justement, le replay est là pour ça. Merci, Laurence. Merci, Pascal. Voilà, n'oubliez pas la promo des papiers design qui ne dure que jusqu'au 2 août. Andrea, j'attends vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer donc, vos exemplaires de catalogue annuel et août-décembre. Et puis ben, toutes les autres, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, n'hésitez pas, ça marche. Je vous souhaite une excellente après-midi. Christelle, prenez votre temps, revisionnez le replay, et puis d'ici quelques minutes vous pourrez télécharger la fiche technique avec les schémas, peut-être que ça vous aidera d'avoir un second appui, ça marche.
Bel après-midi à tous, reposez-vous bien. Pour celles et ceux qui sont en vacances, oubliez tout, farniente, et puis on se donne rendez-vous demain à 5h30 pour les VIP, sur le groupe privé des VIP qui est réservé donc à mes clientes. Et puis tous les autres, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau live, un nouveau projet que vous découvrirez dès samedi. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci à tous d'être toujours là et si bienveillants et gentils avec moi. Je vous embrasse, bel après-midi. Ciao!